Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième et dernier épisode de cette capsule sur l'habitat éthique et durable. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler des matériaux et techniques durables qui peuvent transformer votre maison. Let's go! Donc, j'ai six matériaux et techniques à vous présenter. Alors, pour commencer, il y a la peinture et les enduits naturels. On en a parlé aussi dans ce podcast. Je vous mettrai les liens en description s'il faut. Donc, les peintures et enduits naturels sont fabriqués à partir de matières premières comme l'huile de lin ou les pigments minéraux. Ils protègent votre maison tout en respectant la santé des habitants grâce à une meilleure qualité de l'air intérieur parce que tout simplement, il n'y a pas de COV dans ces produits. Les COV, c'est les composants organiques volatiles. C'est ce qui dégrade notre santé tout simplement. On en parle de plus en plus dans les médias, mais c'est quelque chose qui est présent dans nos meubles, dans nos peintures, dans nos maisons. Et c'est d'où l'importance d'aérer également sa maison le plus possible. Donc, peinture et enduit naturel, le bon plan. Ensuite, il y a tout ce qui est briques en terre crue. La terre crue, c'est un matériau qui est souvent local et durable. Elle régule naturellement l'humidité et elle offre une inertie thermique. De plus, elle est complètement recyclable, à 100% du coup, et elle est peu énergivore, puisqu'elle n'est pas cuite, puisqu'elle est crue, et elle est présente partout autour de nous, hein, donc elle revient, c'est un peu le principe d'économie circulaire, de cycle de la vie, c'est-à-dire qu'on construit quelque chose avec la terre, elle tient un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, et si on n'en veut plus, elle peut s'éliminer naturellement dans la nature, sans qu'il y ait d'intervention plus que ça humaine. Ensuite, je vais vous parler de la peinture réflective. Alors, la peinture réflective, on en parle de plus en plus dans les médias. C'est de la peinture blanche qui renvoie les rayons du soleil et qui réduit ainsi la température intérieure de notre maison environ de 5 degrés en moyenne. C'est une solution qui est assez simple et efficace pour économiser de l'énergie, surtout dans les temps de grosse chaleur. On est dans l'été. On a des canicules, on va en avoir de plus en plus, il faut être honnête. Donc c'est une des solutions qui permettent de rafraîchir nos bâtiments. Alors ça peut être pour les bâtiments professionnels qui ont des grandes surfaces, c'est hyper efficace. Mais ça peut aussi se mettre sur des bâtiments ou des maisons particulières qui cherchent des solutions supplémentaires plus écologiques et durables que la clim, hein, clairement, pour rafraîchir sa maison en pleine saison d'été. Ensuite on a tout ce qui est panneaux solaires. Alors les panneaux solaires, qu'ils soient photovoltaïques, thermiques ou hybrides, ils utilisent une énergie propre et renouvelable qui est le soleil. Ils permettent de réduire votre facture d'électricité jusqu'à 60%, donc ce n'est pas négligeable. Il faut faire des études, il faut bien se renseigner. On en parle grandement dans un des épisodes. Je vous invite à aller un peu plus loin en vous renseignant sur cette solution. La cinquième solution, c'est l'isolation aux chanvres. Alors, le chanvre, c'est un isolant naturel et local aussi. Il offre une excellente isolation thermique et acoustique, tout en étant hyper sain et hyper durable. Donc, on aime le chanvre. Et en plus, il s'adapte aux variations de température et il régule l'humidité. Donc, que des points positifs. Renseignez-vous. Je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer aussi dans l'isolation. Et on va de plus en plus en parler. Restez à l'écoute. Et enfin, le dernier point, c'est les puits canadiens. Le puits canadien, c'est un système de ventilation qui utilise la géothermie pour préchauffer ou rafraîchir l'air entrant. C'est un moyen naturel de réguler la température intérieure et de réaliser des économies d'énergie. On en a beaucoup parlé dans l'épisode sur la ventilation. Je vous invite à aller voir cette question bien précise sur les puits canadiens pour bien comprendre le fonctionnement et en quoi ça consiste. Et voilà, on a fait le tour des matériaux et techniques durables pour votre maison. Je vous invite, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez creuser un peu les sujets, à télécharger notre guide ultime spécial bâti et structure sur les évolutions de l'habitat éthique et durable. Je vous mets le lien en description. On a bossé dessus comme des folles avec Frédéric pour pouvoir vous offrir un maximum de vues et de points de vue sur ces solutions. On va interviewer des experts. Je vous invite vraiment à aller soit creuser sur le podcast, soit creuser sur le guide ultime, soit les deux, si vous êtes vraiment à fond. Et je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour plein de nouveaux épisodes sur Aubercaille. Bel été !